Eh bien, nous voici ce soir, ce samedi soir à Zouera avec Arthur Lehouk. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette piste de Zouera ? Bah, déjà, je trouve que c'est une super piste. Il y a le désert, donc il fait très chaud. C'est grand, donc faut pas faire de bêtises. On peut pas faire le tour parfait, mais bon, il faut essayer de tout faire pour faire le meilleur temps. Dans un mois et demi à peu près, il y a la Coupe du Monde KF3 ici. Qu'est-ce que tu espères de cette compétition ? Bah, j'espère déjà être qualifié pour la finale et espérer de faire un top 10 parce que je manque encore un peu d'expérience par rapport aux autres, donc j'espère quand même essayer de faire un top 10. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait de bien ? Qu'est-ce que tu as fait de moins bien ? On fait 65e chrono sur 75 pilotes. Après en manche, on part 25e. À la première manche, j'ai dû abandonner parce qu'il y avait une panne sur le moteur. À la deuxième manche, je fais 12e. Et à la troisième manche, là, qui vient juste de se finir, je me suis accroché au départ. Donc on va essayer de bien se rattraper pour demain, essayer d'être qualifié pour la finale. Tu as combien de manches demain ? Une, le matin. Et là, tu sais à peu près où tu en es dans le classement ? Bah ouais, on est 50 ou 40e. Mais comme il y a deux pré-finales, pré-finale A et B, et ils prennent les 17 premiers des deux pré-finales, donc tout est encore jouable. Ok, merci Arthur.